Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas ce que j'ai mangé là, mais franchement, ça passe pas. T'es sûr? Ouais. J'avais de plus en plus de mal à me lever le matin. Retard de règles, nausées, petites douleurs au sein. J'y comprenais plus rien. Résultat d'examen, test urinaire, sanguin, positif tous les deux. Entre nous deux, y'a trop de hauts et de bas. Lui, il me dit qu'il assumera quand son bon y arrivera. Mais quoi qu'il en soit, je choisis si je le garde ou pas. Faut que je me décide, vu car j'arrive bientôt au quatrième mois. À l'échographie, j'ai entendu son cœur battre. C'est là que j'ai réalisé qu'en moi se développait un être que je n'avais pas le droit de neutraliser. Au cinquième mois, mon ventre s'arrondit. J'en sais pas. À ton avis, c'est un garçon ou c'est une fille? Je suis hyper sensible aux odeurs. Je passe du rire aux pleurs, je vais pisser toutes les demi-heures. Quand j'ai frites au beurre, le futur père me soutient même dans la douleur. Bien, votre mari est là, il est avec vous, tout se passe bien. Allez-y, allez-y, poussez, poussez là. Allez-y. Est-ce les 9 kilos que j'ai en trop qui poussent mon homme à aller pécho d'autres meufs? Allez, vite, c'est le nombre de fois qu'il a porté la petite en vadrouille 7 jours sur 7 pendant que je change les couches. Il fornique 6. Si seulement je pouvais retourner en arrière et revivre ces moments où il me promettait qu'il serait un bon père. Il sait même pas que sa fille a eu 5 mois hier. Moi si je me plie en 4, c'est pour elle, pour lui, pour notre famille, pour nous 3. Je veux pas qu'on sépare mais je crois qu'il y a plus d'espoir entre nous 2. Je peux pas changer les choses toute seule, il faut qu'il y mette du sien. Trêve d'indulgence, il a gâché sa dernière chance. 1, c'est une fois de trop, je mets les compteurs à 0. Tu fais rien pour notre bébé, tu fais rien pour nous. Cassez-vous. Cet enfant, deux fois plus tard, on se sépare, même si j'avais des